quoi tout ce boucan là dehors? Wouah, eh, mais ils en font du bruit là dès le matin. Incroyable ça. Bon, je vais aller me mettre devant la télé, je vais regarder ce qui se passe, ils en parlent souvent aux informations. Ils viennent de montrer à la télé comme quoi qu'il y a eu une explosion et tout, c'est quand même grave. Ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez ne pas changer de chaîne et écouter les instructions qui vont suivre. Barricadez-vous. Tenez-vous informé par radio. Prévoyez des rations alimentaires. Ne buvez pas l'eau du robinet. Mettez un masque et des gants de protection antimicrobienne. Évitez tout contact avec l'extérieur. N'utilisez pas les réseaux téléphoniques. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Gardez votre calme. Non mais sérieusement, non mais c'est quoi ces conneries, genre et tout, on va pas rester enfermé chez nous, et en plus, comment ça, ne pas boire l'eau du robinet, mais on va boire quelle eau? Ils sont marrants, eux. N'empêche, c'est quand même vachement grave ce qui se passe. Bon, d'accord, je crois que la télé s'est coupée, et je crois qu'elle fonctionne plus. Putain la vache. C'était c'est quand même vachement bizarre là ce qu'ils nous ont dit au niveau des informations et tout. Je sais pas. Waouh, attends, j'ai vu un truc passer là dans le coin. C'était fou. Là je vais récupérer. En plus il va falloir que je sorte parce que j'ai quasiment plus de nourriture, j'ai quasiment plus rien. Je vais voir. Putain, il y a du bruit de partout. On dirait des espèces de bêtes qui grognent. Je sais pas. Je vois rien en tout cas à travers les espèces de portes que je peux avoir. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais peut-être coupé quelques lumières. C'est étrange, mais de ouf! Mais il y en a partout. Il y en a même partout. Regardez-moi ça. Je devrais peut-être pas sortir. Hein. Je devrais vraiment pas sortir. Je devrais peut-être garder mon couteau en main. Je devrais vraiment garder mon couteau en main et attendre peut-être la journée. C'est vraiment étrange. Comment je vais faire? Il y en a beaucoup. Ou alors est-ce que je tente de sortir cette nuit? Je vais essayer de faire un peu sur le toit. Je vais essayer de voir. Wow, j'ai failli dégringoler le toit. Il faut vraiment que je fasse attention à ne pas tomber. Ouah, mais il y en a beaucoup. Ils ont l'air vachement agressifs en plus. Je vais peut-être vraiment attendre demain. Je sais pas en fait, c'est... Je suis en train de réfléchir, je sais pas. Est-ce que j'attends demain? Est-ce que j'y vais? Enfin... En fait, je vais me mettre dans la salle de bain. Je vais en sortir, enfin je sais pas, je suis bloqué là-dedans. Oh, mais ils ont l'air... Regardez, ils ont l'air vachement nombreux. En plus, regardez, j'ai quasiment plus rien. Il me reste que quelques poissons cuits, quelques tranches de pain. Et il me reste 3 bouteilles d'eau. Du coup, il va vraiment falloir que j'arrive à gérer la tenir. Je sais pas du tout quelle heure il est. Heureusement que j'ai barricadé la porte. Si
j'avais pas barricadé la porte, je dis même pas à quel point on serait mal barré. Faudrait que je quitte la maison. Attendez, on va regarder. Ok. Non, franchement, ça a l'air de... Le soleil a l'air de se lever bientôt. Regardez, on voit déjà là les premiers rayons. Je pense que ça devrait le faire. Il y a des bruits de... Il y a des bruits de libellules ou de je ne sais quoi. En tout cas, c'est des bruits de criquets qu'on entend en fond, mais l'espèce de... Ce que j'ai entendu, c'était vraiment... Ah, attendez. Ouais, non, je pense que je vais être obligé de sortir. Hein. Je pense que je vais vraiment être obligé de sortir. Je sais pas du tout comment je vais faire ça, mais... Non, je vais pouvoir faire. Écoutez, je viens d'avoir une idée. Je vais passer par mon échelle, voilà. Voilà, puis je vais sortir discrètement sur le côté. Je sais que par là, normalement, il y a un abri de bus. Oh, je crois qu'ils sont en train de me suivre. Oh la vache, ils m'ont repéré. Ils sont beaucoup trop nombreux, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, je peux pas y aller. Sinon, est-ce que je tenterais pas de faire le funambule par là? Ah, mais il y en a toujours plus qui arrivent. Donc, je préfère. Ah, je suis tombé. Attends, hop. Ok, ça a l'air d'aller. Tout va bien. Ok, à 3. 1, 2, 3. Ah. Plus vite. Ah. Allez, vite, 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 vite. Allez, cours. Il y en a un là sur le côté. En plus, je commence à avoir soif. Ok. Waouh. Oh, la vache. Ils m'ont suivi. Ah, vite, 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 vite. Dépêche-toi. Je vois rien. Ah la vache. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite. Ah, je vois rien. Le fait que j'ai soif, ça améliore rien. Je devrais peut-être pas aller par là. Ça va, ils ont l'air de m'avoir lâché. Ah, il y en a un là-bas. Il y en a partout. En fait, il y en a vraiment partout. Vache. Ça va mieux. J'ai pu voir un peu. Je sais pas du tout. Non, 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 non. Vite. Dépêche-toi. Allez. Comment je peux faire? J'ai qu'un couteau. Il y en a toujours de plus en plus. Je grimpe à l'arbre. C'est pas grave. Ah, okay, je suis sur les toits. Comment je peux faire? Ils sont combien? Si je suis en sécurité ou pas? Je sais pas, j'en ai aucune idée en fait. Je serais tenté d'essayer d'aller sur les toits là-bas, mais là, c'est beaucoup trop loin. Je vais me couper si je fais ça. Je tenterai pas d'aller par là. Ok. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite. Je pense que ma principale préoccupation, ça va être une chèvre. Non, c'est pas ça ma principale préoccupation. Pourquoi je te... Je vais aller par là. Il y a des chèvres partout. Non, je pense savoir ce que je vais faire. Allez, plus vite. Allez, 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 allez. Ok. Je vais aller par là.
grimper sur le char. Puis je vais ramasser ça. Bon, j'ai jamais trop tiré avec ce genre de d'armes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Il y a une première atout. Après, je sais pas s'ils sont humains ou pas, si c'est ça qui m'embête. Bon. C'est pas grave. Voilà. Au moins, j'aurai de quoi me défendre. Il me semblait avoir vu un autre char. Regardez là-bas. Là-bas, il y a un autre char. C'est possible qu'il y ait peut-être quelque chose dedans. Ou alors c'est peut-être celui-là, je sais pas. Tant pis, j'ai pas le temps de réfléchir. Faut que j'agisse. Je vais peut-être prendre cette arme-là, ça vaut peut-être mieux. Y'a rien. Putain, j'arrive pas à tirer avec. Ça y est. La vache. Il y en a partout. Vraiment, falloir faire attention. Ok, je récupère un couteau. Ce sera peut-être mieux. Ah la vache. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de s'agglutiner autour du char. J'espère qu'il n'y en a aucun qui arrive à monter. Ça a l'air de dire. Ok, c'est bon. C'est arrivé. Correctement, mais ok, ça a l'air d'être bon. Il n'y a plus l'air d'en avoir. Wow, vache, mais il y en a vraiment partout. C'est horrible. On se croirait dans un film d'horreur où, en plus, regardez, il y a du sang partout. Vache, mais il y en a encore. Il n'y a plus de porte là-dedans ou quoi? C'est pas grave. Je récupère ce dont j'ai besoin et après je me casse. Ok. Je prends la hache, je vais casser. Et vite, je vais sortir par là. Je vais me dépêcher d'aller récupérer ce dont j'avais besoin. Parce que du coup, quand on était allé au magasin, j'ai vu qu'il y avait quelques vivres. Et ça, en soi, je pense que ça va être hyper important d'avoir ce qu'il faut. Allez. Ok. Je vais les attraper. Ah, il m'a tapé. Il m'a tapé. Faut que je me dépêche. Faut que je prenne vraiment ce dont j'ai besoin. Non, j'ai posé mon couteau, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, y'a rien là-dedans. J'essaie de choper. Sinon j'ai réussi à attraper tout ça. Je vais manger un peu. Ok. J'ai failli tomber. J'ai toujours pas eu d'eau. Donc il va vraiment falloir que je fasse attention. Ah, je peux pas descendre par là. Je suis nouveau en train de me faire encercler. Faut que je sois tout le temps en mouvement, je pense. Faut vraiment que je sois tout le temps en mouvement. Par où je pourrais aller? Si je tombe là, je vais me faire mal. Le problème, c'est que si je vais dans le magasin, je vais. Je suis tombé. Je suis vraiment idiot. Je vais mourir comme ça si ça continue. Je vais mourir comme ça, c'est pas possible. Allez, faut que je passe.
Allez, 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 allez. Ok, des bruits de fois de libellules ou je ne sais quoi. Parfait. J'ai trouvé de l'eau. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ok, je vais pas les affronter, ils sont beaucoup trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux, faut que je m'en aille là. J'ai pas le choix, faut vraiment que je cours. Faut vraiment que je parte. C'est pas possible. Allez. Allez, 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 allez. Plus vite. Plus vite, plus vite. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'esquive. Non mais il y en a vraiment partout, bah ils sont combien? Ils sont au moins une quinzaine. Oh, il y en a un sur le côté. Je l'avais pas vu. À l'aide. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Comment je peux m'en sortir? Ça va qu'ils sont un peu lents. Heureusement qu'ils sont un peu lents, parce que sinon je vous dis même pas... Sinon je vous dis même pas dans quelle problématique je serai. Non, pas par là. Je vais essayer de grimper par ici. Ça va. Wouah, il y a une horde. C'est carrément une horde. C'est carrément une horde. Ok. Ça va, ils sont de l'autre côté du grillage, heureusement. Heureusement qu'ils sont de l'autre côté et que moi je suis ici. Parce que du coup, je vais pouvoir aller fouiller, je pense, autre chose. Non, je sais. Je pense avoir une idée. Par contre, ouais, là j'ai un problème, c'est qu'il va bientôt faire nuit, donc j'ai le choix entre rester là. J'aurai jamais le temps de dire. Oh, il y en avait un derrière moi. Pas le choix, faut que je rentre chez moi. Oh, il a failli rentrer avec moi. Oh. Bon. Parce qu'il va vraiment falloir que je rentre de lumière, puisque ça a l'air de les attirer. Ils ont cassé la porte. Putain, ils ont cassé la porte. Ils ont cassé la porte, ils ont cassé la porte. Je peux pas rester là. Ils ont cassé la porte. Vraiment, ça craint de mourir ici. Je peux pas m'enfermer. Ok. Bon. On va résumer. Je suis encerclé par les zombies et en prime ils ont cassé ma porte. Ok, la nuit visiblement il y en a qu'un. Du coup je vais me faire comme ça. Allez, ils sortent d'où ceux-là? Il y en avait qu'un normalement. Tant pis, je vais aller par là. Je vais aller par ici. Là-bas, il y a un tank. C'est quoi ce bruit? Putain, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. C'est horrible. Il y en a vraiment partout, quoi. Vraiment falloir que j'y aille. En plus, on ne voit rien, regardez. Regardez-moi ça, comment on voit rien. Que je peux faire par là, il y a une station d'assistance. Écoutez, je pense la meilleure solution, tant pis, j'ai pas le choix, je vais m'enfermer ici. Comment je peux faire? Comment je peux faire?
C'est quoi? Je pense que je vais dormir ici, hein. J'ai pas le choix. Comment je peux faire? J'ai rien, hein. Non, j'ai vraiment rien qui me permettrait de dormir convenablement. Comment je fais? Il a l'air de plus avoir de bruit. Ils sont passés où? Ah. J'ai rien dit, je les entends de nouveau. Je pense que ça a dû se calmer un peu parce qu'ils me voyaient pas. J'ai l'impression qu'en fait, soit ils nous sentent, soit ils nous voient, mais... En tout cas, il y a quelque chose qui fait que... En tout cas, ça me plaît pas. En tout cas, faut faire le moins de bruit possible parce qu'une chose est sûre, c'est qu'ils nous entendent. En tout cas, fallait que j'aille à la ferme. Ça, c'est sûr. De toute façon, à la ferme, j'aurai de l'eau, j'aurai de l'eau, j'aurai de la nourriture. Enfin, c'est mes meilleures chances de survie. En tout cas, j'ai des armes. J'ai des armes, j'ai ce qu'il faut. Donc, en soi, je suis pas mal. J'ai déjà trouvé des outils. Bon, au niveau de la nourriture, je sais pas du tout comment je vais faire. Mais... Je pense en tout cas que j'ai quand même de quoi tenir pendant un certain temps. Ça devrait le faire. Ah, je commence à avoir soif. J'ai des problèmes, j'arrive même pas à m'hydrater. C'est quand même horrible de se dire que... Attendez. J'arrive à m'hydrater, on voit rien. Si les zombies m'ont repéré. Ils m'ont repéré, du coup, je suis bloqué ici. Je peux même pas dire comment je peux faire. Est-ce que je tente de courir à la ferme ou est-ce que je reste là dans ce bus? Enfin, je sais même pas réellement ce que c'est une espèce de bus. Il y a un peu un camion de l'armée à cause de la couleur, mais c'est pas tout à fait ça en fait. C'est vraiment bizarre. Plus, quand j'y repense, c'était quoi cette explosion? C'était quoi ce... Pourquoi ils sont apparus d'un coup, en fait? Ouais, ça comprend chier dans notre sens. Le problème, c'est que je peux même pas dire que j'y vais, regardez. Je me sens vraiment pas bien à cause du fait que je joue pas. Pourtant, j'ai de l'eau dans les mains. Est-ce que je me transforme? Est-ce que je suis infecté? Ça, c'est la véritable question. Ah, je suis un malaise.